comme je disais, comme il s'agit d'une soirée d'éloquence, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je veux paraphraser de façon laconique la culture de la paix. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est un amalgame d'hommes, des différentes cultures, différentes races, différentes convictions et opinions, différentes religions et croyances. Nous y trouvons les hommes forts et les pusillanimes, les riches et les pauvres, les prédateurs et les victimes. En dépit de toutes ces différences, notre monde est appelé à vivre en équilibre et en harmonie. Et il existe un élément majeur qui se veut tenir ce monde dans l'équilibre de l'harmonie, il s'agit de la culture de la paix. La culture de la paix, c'est cet ensemble de valeurs, d'attitudes, des comportements et traditions fondées sur la tolérance, la coopération, le dialogue, le respect de la vie, le respect de la dignité et le respect de tout le droit de l'homme. Mais il y a une grande préoccupation, celle à savoir, étant donné que nous sommes tous différents les uns des autres, devons-nous combattre nos différences afin de cultiver la paix? Devons-nous combattre nos émotions, nos sentiments, nos convictions, nos religions afin de cultiver la paix? Et à cette préoccupation, nous aborderons un des piliers de la culture de la paix qui est la tolérance. Du verbe latin tolérare qui signifie supporter. Il ne s'agit pas ici de supporter seulement les comportements et les attitudes qui vous attirent, plutôt même ceux-là qui vous battent, ceux-là que vous détestiez, quoique ça ne soit pas facile d'y parvenir. Et pour les moralistes, la tolérance est l'art d'être heureux en compagnie des autres. Imaginez un peu qu'il n'existe aucune différence entre les humains. Quel serait le sort de l'humanité? Imaginez qu'il n'existe aucune différence entre les Français et les Congolais. Et que le Congolais était comme les Français. Connaîtriez-vous le goût de Tchakamadès? Le goût de Premier, le goût de Souma? Aimons nos différences, apprécions ce que nous sommes et respectons ce que les autres sont. C'est pourquoi Antoine de Saint-Exupéry dira dans son ouvrage La Citadelle: si tu diffères de moi, mon frère, loin de m'éliser, tu m'enrichis. Par là, nous comprenons clairement qu'il ne vaut pas la peine que nous puissions combattre nos différences. Plutôt, nous devons les associer et les unir, car ensemble, elles feront notre force. Dans le champ de la tolérance, dans le champ de la tolérance, pour cultiver la paix, nous sommes appelés tous à raccourcir nos différends, à élaguer la haine, à exalter la non-tolérance et à essuyer la violence. Car c'est ainsi que nous cultiverons la paix. À travers ce pilier, notamment la tolérance, pour moi, la culture de la paix devient une expression de résurrection pour toutes ces âmes à qui on a volé la paix, brandi la paix, violé le droit, ont volé l'opinion. Ainsi comme culture, nous sommes appelés tous à être instruits et cultivés à la paix. Tous comme des professeurs enseignant la culture de la paix. Comme les révérends pasteurs prêchant cette culture. Comme les psychologues observant la paix. Comme les docteurs et pharmaciens prescrivant la paix. Plaidons pour elle. Comme le politologue et les politiciens, votons tous la paix. Comme les écrivains et les journalistes, publions sur elle. Comme les économistes, que la paix soit notre effet de levier. Et comme nos chers membres du jury, comptons tous 5 sur 5 à la culture de la paix. Sachez-le bien que vous n'êtes pas exempté d'un, vous aussi cultivez la paix et cultivez...